Chers amis de KTO, au nom de toute la famille de télévision Celles et Lumières au Canada, je vous félicite de tout cœur à l'occasion du 10e anniversaire de KTO. Bien que je ne puisse être parmi vous au Collège des Bernardins pour cette occasion importante dans la vie de l'Église en France, nous sommes unis à travers les moyens modernes de communication télévisuelle. Notre amitié est solide et source de bénédiction, de grâce et de joie profonde pour l'Église en France et au Canada. Cette amitié est fortement liée au JMJ 2002 à Toronto. Tout au long des préparatifs qui ont mené à cet événement dont j'étais le directeur général, mon ami et mentor, le cardinal Jean-Marie Lustiger, m'a guidé à travers cette belle et grande aventure et m'a donné d'excellents conseils. Je lui dois beaucoup. En novembre 2002, après notre JMJ, j'étais de nouveau l'invité du cardinal à Paris. Nous avons alors pu parler de la proposition de lancer une télévision catholique, télévision Celles et Lumières au Canada. Et le bon cardinal m'a fortement incité à accepter ce nouveau défi et m'a assuré de la pleine coopération de la télé et de la radio catholique française avec la nouvelle chaîne canadienne. Il me disait « Tu vas suivre le modèle de KTO. Nous allons travailler ensemble. Nous avons besoin l'un de l'autre. Paroles prophétiques et paroles vraies. Combien nous avons appris de vous et avec vous ces dernières années. Combien de belles choses avons-nous faites ensemble. Et combien de projets communs nous attendent dans le futur. Tous à la télévision catholique canadienne Celles et Lumières ont une dette de gratitude envers le cardinal Lustiger pour son intérêt, son encouragement et sa grande collaboration avec nous. Je suis confiant qu'il intercède maintenant pour chacun de nous à Celles et Lumières et pour vous tous à KTO. Nous échangeons non seulement des émissions, mais aussi du personnel qui collabore ensemble et tisse des liens transatlantiques. Nous espérons que ces échanges seront plus fréquents dans l'avenir. Nous avons un autre pont très solide qui nous unit en la personne de votre nouveau nonce apostolique, Monseigneur Luigi Ventura. Vous nous l'avez volé, vous le savez, il faisait vraiment partie de notre maison à Celles et Lumières au Canada. Il devient maintenant un vrai pontifex entre la France, le Saint-Siège, le Canada et surtout entre KTO et Celles et Lumières. Félicitations, chers amis de KTO, pour vos 10 années d'existence. Ce n'est que le commencement. Prions les uns pour les autres et soyez assurés de notre pleine coopération et bonne volonté. Ensemble, puissions-nous donner au monde le sel et la lumière, la saveur de l'Évangile et la lumière du Christ. Bon anniversaire, KTO. Happy birthday, KTO. Et dans la belle tradition de vos cousins et cousines du Québec. Cher KTO, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher KTO, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.